Tertre, vous êtes membre du collectif King Freaks. Demain, vous organisez un spectacle Salpêtrafque pour la journée contre l'homophobie, qui est sur le thème cette année de la transphobie. Donc, qu'est-ce que c'est la transphobie? Alors, la transphobie, c'est la haine et la peur des personnes transidentitaires, transsexuelles ou transgenres. C'est-à-dire qui changent de sexe. Qui entament un processus de transition chirurgicale ou hormonale, ou les deux, ou aucun des deux, mais qui se considèrent comme personnes transidentitaires. Parce que la transsexualité est encore quelque chose de tabou, contrairement à l'homosexualité. Oui. Alors la transsexualité est encore classée au répertoire des maladies mentales de l'OMS. Ils sont aussi, pour avoir un changement d'état civil, il faut être stérilisé. C'est l'une des populations les plus invisibles en France. Mm-hmm. C'est l'une des populations également avec le taux de séroprévalence le plus élevé dans certains pays. Il n'y a pas d'études encore en France, donc c'est vraiment une population invisible. C'est le taux où il y a le plus de déscolarisation, le taux où il y a le plus de suicides, de prostitution non désirée également. Enfin, c'est l'une des populations les plus discriminées. D'accord. Et en France, ou à Montpellier particulièrement, est-ce que ces gens-là, vous les rencontrez ou ils restent minoritaires ou... Je suis une personne transidentitaire. Mm-hmm. Après, exclusivement à Montpellier, il y a toujours de la discrimination, même au sein des personnes trans, enfin, même pour les personnes transidentitaires. Il ne faut pas croire que parce que Montpellier est la troisième ville gay de France, ils sont exclus de tout ce qui est discrimination. D'accord. Et vous, comment vous la ressentez personnellement? J'en ressens tous les jours dans tous les actes que je peux faire, dans tous les actes administratifs que je peux faire, parce que j'ai toujours pas changé mes papiers, parce que c'est un processus très long et coûteux, et j'ai pas les moyens aujourd'hui de le faire. Donc aujourd'hui, je le ressens tous les jours parce que je peux pas faire tout ça. Donc vous êtes née. Je suis née femme et je suis un homme. D'accord. Je suis trans. D'accord. Donc vous aimeriez être. Changer d'identité. J'aimerais avoir un changement d'état civil pour une simplification de ma vie courante, en fait. Pour avoir enfin des papiers pour que quand j'aille chercher un travail, ce soit plus simple, parce que après, quand on va chercher un travail auprès d'un patron et qu'il voit une personne en face de lui de visu et sur le carte d'identité une autre identité, il y a un malaise. Ça bloque totalement. Et ensuite, c'est aussi tout le temps révéler sa vie privée qui est personnelle à des personnes qui n'ont pas forcément besoin de le savoir, mais qui, à cause de ces papiers, on doit divulguer tout ça. Quoi. Mm-hmm. D'accord. Donc c'est une vraie discrimination jour le jour. On revendique aussi la liberté de son propre corps, c'est-à-dire le choix de faire des réels choix dans son propre corps, sans avoir d'obligation ensuite d'en rendre compte à la société. Mm-hmm. D'accord. Et au niveau de la chirurgie esthétique, par exemple, le changement de sexe, ça reste... c'est possible, Alors en France, en France, les chirurgiens ne maîtrisent pas beaucoup ces techniques opératoires. Quand ils disent de maîtriser, c'est vraiment de la boucherie. Donc souvent, les personnes transidentitaires vont se faire opérer à l'étranger. Soit en Thaïlande pour les MTF. Les male to female, ouais. Les hommes qui transitionnent vers femmes. Mm-hmm. Et ensuite, les FTM, les femmes qui transitionnent vers hommes. Votre cas, oui. Cas vont souvent se faire opérer aux États-Unis, en Belgique, en Suisse ou en Serbie. Vous avez entamé cette démarche ou Moi, je suis déjà opéré. J'ai réussi à trouver un chirurgien parce que j'ai pas les moyens de me faire opérer aux États-Unis. J'ai réussi à trouver un chirurgien plutôt bien en France. À Montpellier? Non, pas à Montpellier. D'accord. À Montauban, à côté de toi.